Donc maintenant les enfants, on va revenir sur l'addition posée, mais cette fois-ci on va l'expliquer avec le matériel base 10. Donc on avait 319 plus 79 plus 29, on avait dit que c'était égal à 427. Donc maintenant avec le matériel base 10, nous avons 319, 19, et 29. Donc pour calculer plus facilement, commençons par les unités. Donc les unités, on a 9, 9 et 9. Donc si on veut calculer plus facilement... On prend 1 en bas, on le met en haut, ça fait plus 9 là-haut, ça fait 10, là en bas ça fait 8, et ici on a 9 toujours, ben tiens, on va prendre encore 1 en bas, ça va faire non plus 9 au milieu, mais euh, 10 de nouveau. Donc finalement, avec en bas, il nous restera 7. Donc finalement, ça fait 10, 20, et encore 7, ça fait 27. 27 en termes. De, euh, de nombre, et eh bien si on a 27, ces 10 ici et ces 10 là, on va pouvoir les transformer en dizaines. Donc, c'est parti. J'enlève ceci. J'enlève... Et à la place, je remplace par ceci, une dizaine. Et j'enlève cela aussi pour transformer en dizaines. Donc, maintenant, on a donc en bas toujours nos 7. Donc finalement, c'est pour ça qu'il restait cette unités. Mais on a aussi gagné deux dizaines qu'on a mis en retenue. D'accord Donc maintenant, on va s'occuper des dizaines qui étaient là. Donc en termes de dizaines, on en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Mais attention, il ne faut pas oublier les deux dizaines qu'on avait aussi en retenue. Onze, douze. Donc maintenant douze. Une fois de plus, on se souvient que les dizaines, quand on en a dix, ça, ça fait une centaine. Donc en fait, on va les rassembler. Donc ici, on en avait déjà sept. 8, 9, 10. Comme j'en ai 10, je vais donc les remplacer par une centaine. Hop Et donc du coup, dans les dizaines, il nous reste deux dizaines. Deux dizaines, et en retenue, une centaine. Maintenant, c'est ce qu'on avait écrit. C'est ce qu'on avait écrit là. Deux dizaines et encore une centaine. Et du coup, maintenant, on a une centaine plus encore trois centaines. Ça fait quatre centaines. Donc finalement, quand on regarde le nombre qu'on a fabriqué, on a fabriqué, comme on l'a écrit, quatre cent vingt-sept. Voilà. C'était l'explication de l'addition posée.